attendant, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu la copie du communiqué? Bonjour et bienvenue sur 99media.org. Je suis devant l'Hôtel de Ville de Montréal pour une point de presse concernant un recours collectif des arrêtés du 15 mars 2013. Ben, j'avoue, je pourrais zoomer sur tout, Ben. T'embellis le décor. Ah, attention, tu vas casser ton Kodak. Ben, je trouve sexy, pas chelou. Prends tout. Hey, tu sais, il s'appelle Tourisme Montréal, il nous prend en photo. Attraction touristique, une gang de kangourous. On est en attente du début du point de presse et ça y va. Alors bonjour tout le monde. Je suis Lisiane Rock, responsable des communications à la Ligue des droits et libertés. Je vous remercie d'être présentes nombreux ainsi aujourd'hui pour l'annonce du dépôt d'une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse que dépose la Ligue des droits et libertés au nom de 35 personnes arrêtées lors de la manifestation contre la brutalité policière du 15 mars dernier. Alors, au cours de cette conférence de presse, il va d'abord y avoir Lucie Lemonde, porte-parole de la Ligue des droits et libertés, qui va prendre la parole. Et ensuite, il va y avoir Catherine Desjardins qui va aussi prendre la parole. C'est une des personnes au nom de qui on a déposé cette plainte. Il va y avoir aussi à la fin une période où on va prendre des questions et ça va être possible de poser des questions en français et en anglais. Et il va aussi y avoir après la possibilité de faire des entrevues individuelles avec les porte-paroles. Alors, je cède la parole à Lucie Lemonde de la Ligue des droits et libertés. Alors, bonjour. Donc, la Ligue a déposé la semaine passée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse une plainte en discrimination et en profilage politique contre le SPVM et la Ville de Montréal au nom de 35 personnes qui ont été arrêtées lors de la 17e manifestation contre la brutalité policière le 15 mars dernier. On se rappelle qu'au début de la manifestation, un important dispositif policier avait été déployé, incluant cavalerie et anti-émeute. Avant même que la manifestation débute, elle a été déclarée illégale et les interventions policières ont fait en sorte de diviser en deux groupes les manifestants qui ont été forcés de se diriger vers des lieux où il y a eu des arrestations massives et un encerclement en souricière. La Ligue considère que ces personnes ont été victimes de discrimination et de profilage politique et elle a jugé important de saisir la Commission des droits de la personne de ce phénomène qui se situe dans une répression de plus en plus grande du droit de manifester à Montréal et cette répression qui s'est cristallisée lors de la grève étudiante en 2012 et qui a pris une ampleur quand même assez exceptionnelle au printemps 2013. Où en deux mois, lors de 5 manifestations, il y a eu 1220 arrestations. Les journaux parlaient que les manifestations étaient tuées dans l'œuf. Donc, véritablement, une application du règlement P6 était tout à fait différente de celle qui est faite habituellement. Les policiers, la veille, en conférence de presse, avaient annoncé qu'ils s'attendaient à ce que les personnes qui participent à cette manifestation soient des radicaux, des casseurs, et ont annoncé que le règlement serait appliqué avec plus rigoureusement, avec plus de vigueur, si des débordements survenaient. Or, il n'y a pas eu de débordement, ça s'est fait avant même que quoi que ce soit se passe. Au cours des journées avant et après, le SPVM a été explicite sur son intention de distinguer entre les manifestations politiques et les autres types de manifestations. Si vous vous souvenez, la manifestation des parents sur le plateau Mont-Royal qui manifestait pour obtenir plus de sécurité à une intersection avait été arrêtée en vertu de P6 et par la suite, Yann Lafrenière, porte-parole du SPVM, avait dit que P6 avait été appliqué par erreur, que
l'exigence de divulgation de l'itinéraire ne semble pas s'appliquer à tout le monde de toute la même façon. Monsieur Marc Parent avait dit aussi qu'il n'exigerait pas la remise de l'itinéraire lors de manifestations sportives, par exemple, lors de la gagne de la Coupe Stanley. Or, on sait que les plus grosses émeutes à Montréal ces dernières années ont eu lieu justement lors de Coupe Stanley. Aussi, un autre indicateur de profilage discriminatoire, d'après nous, c'est le fait que les arrestations massives, préventives, le fait que les personnes aient été détenues de longues heures, filmées, fouillées, menottées, sur la base de ces préjugés-là et de leur identité politique plutôt que de leurs faits et gestes ou d'un comportement quelconque, c'est tout à fait traitement exceptionnel pour un simple manquement à un règlement municipal. Donc, la police de Montréal fait ça de cette façon-là, des arrestations massives, tout ça uniquement lors de manifestations altermondialistes, étudiantes ou celles contre la brutalité policière. Elle procède donc non pas en vertu d'agissements illégaux de la part de manifestants, mais plutôt sur la base de leurs convictions politiques. Alors, tout indique que la décision d'intervenir pour faire casser cette manifestation avait été prise à l'avance et n'était pas fondée sur la tournure des événements ou le déroulement de la manifestation, en présumant que la manifestation allait être celle de casseurs, en disant à l'avance qu'ils étaient pour appliquer P6 de façon plus rigoureuse, en procédant à des arrestations massives sur la base de stéréotypes que la SPVM a agi de façon discriminatoire. Alors, c'est pourquoi la Ligue des droits a jugé important de porter plainte au nom de 35 des personnes qui ont été arrêtées cette journée-là sur les 240 arrestations qui ont eu lieu. Alors, je vais maintenant passer la parole à Catherine Desjardins qui va témoigner, qui est une de ces personnes qui a été arrêtée au nom de qui la Ligue a porté sa plainte. Merci. Bonjour. Mon nom est Catherine Desjardins, j'ai été arrêtée le 15 mars 2013. Le jour des événements, je suis arrivée à l'intersection Saint-Laurent-Maisonneuve autour de 5h10 afin de participer à la manifestation sur la brutalité policière. J'ai choisi d'y aller pour la première fois cette année parce que j'ai vu et j'ai entendu beaucoup parler de brutalité policière au courant du printemps 2012. À mon arrivée sur les lieux, il y avait déjà un encerclement auprès des manifestants qui étaient déjà sur place. Moi et mes camarades, on a tourné en rond pendant une quinzaine de minutes avant de se faire repousser par le SPVM sur la rue Maisonneuve. On a donc commencé à marcher sur Maisonneuve vers l'est. Arrivé aux habitations Jeanne-Mance, on a coupé à travers le parc pour se rendre sur Sainte-Catherine. Tout le long de cette marche-là, les policiers nous suivaient, nous repoussaient un peu plus loin de où il y avait la manifestation qui était jamais commencé. Tout ce temps-là où je marchais, j'avais l'impression que je pourrais retourner au métro Berry-UQAM, qui n'était pas trop loin de là. Voilà pourquoi je suivais un peu le groupe. Malheureusement, arrivé sur Maisonneuve, on s'est fait encercler par les policiers. Ceux qui étaient déjà derrière nous et ceux qui arrivaient, un groupe qui est arrivé par Sanguinet. À ce moment-là, je me suis donc retrouvée face à l'anti-meute. Après une dizaine de minutes d'encerclement, un homme bien mis avec une mallette s'est fait retirer du groupe, fouiller gentiment et on lui a permis de partir. J'ai donc demandé si je pouvais bénéficier du même traitement que monsieur. Le policier m'a répondu que lui c'était un travailleur puis qu'il était certainement pas là pour faire du trouble comme moi je l'étais. J'ai répondu que j'étais pas là pour faire du trouble mais simplement pour manifester et que de toute façon j'avais un emploi aussi. Il m'a répondu de façon méprisante « Ah ouais, quel genre de job tu peux faire? » Je lui ai répondu, je lui ai parlé de mon emploi dans le social, puis il m'a un peu... il a arrêté de me parler de façon un petit peu gênée. Suite à cela, on est entouré en sourcière pendant au moins 1h30, 2h. C'est après, justement, 1h30, 2h qu'on nous a, un à un, écarté... pour nous mettre des tie wraps et nous mettre dans un autobus de l'ISTM.
On était détenus pendant une heure et demie dans l'autobus de la STM où on nous a finalement amenés au centre opérationnel de l'Est où on a rédigé nos plaintes, nos constats d'infraction. On a rédigé mon constat d'infraction environ vers 9h30. Donc, c'est à peu près environ après 4 heures de détention que j'ai pu demander à un agent pourquoi j'étais arrêtée, parce qu'on ne m'avait jamais dit avant. Lorsque j'ai demandé si c'était en vertu de P6, l'agent m'a répondu « Si tu connais le numéro du règlement, ça doit être que c'est pas la première fois que tu t'es arrêté. » Je lui ai gentiment fait remarquer que je faisais juste écouter la télé des fois. Suite à la rédaction de ma plainte, de ma contravention, on m'a dit que on me l'enverrait par la poste et j'ai enfin pu partir. En fait, c'est suite à ces événements-là que j'ai trouvé assez troublant qu'avec des camarades, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour dénoncer ce qu'on considère être comme de la discrimination, mais surtout du profilage politique. En fait, on s'est dit qu'on sentait tous un peu, chacun à notre manière, qu'il y avait une recrudescence du profilage politique, social et ou racial depuis quelques années de la part du SPVM. Ce sentiment s'est vraiment accentué depuis le printemps 2012. En fait, comment ne pas se sentir profilé alors qu'un policier assume qu'on n'a pas d'emploi et qu'on est certainement là pour faire du trouble? En fait, on sent qu'en 2013, on ne peut plus témoigner ou manifester des opinions politiques divergentes à Montréal. Le meilleur exemple de cela, c'est qu'au moment où on s'est fait arrêter au printemps dernier, entre mars et mai, il y a eu plusieurs arrestations qui ont été réprimées, souvent pas longtemps après que les gens se soient regroupés, pour environ plus de 1200 arrestations. Ces manifestations-là, ce n'étaient pas des manifestations traditionnelles ou des manifestations familiales. C'était la manifestation à laquelle j'ai fait partie, la manifestation du 1er mai et d'autres manifestations qui contestaient le règlement P6. On a donc choisi de faire ces démarches-là auprès de la Commission des droits de la personne parce qu'on souhaite qu'il y ait une enquête sur le profilage politique à Montréal. L'objectif premier, c'est donc pas d'avoir des compensations financières, mais vraiment d'enquêter sur une tangente, ce qu'on considère une tangente grave qui est prise par le SPVM depuis quelques années. La Commission des droits de la personne a déjà reconnu les pratiques de profilage racial puis de profilage social par la police. On souhaite donc démontrer que la police nous discrimine aussi en raison de nos idées puis nos convictions politiques. Étudiants, étudiantes, itinérants, itinérantes, groupes politiques marginaux, voilà de nombreuses personnes qui sont considérées comme indésirables par le service de police de Montréal. Donc, voilà pourquoi on a décidé de faire une plainte à la Commission des droits de la personne. C'est parce qu'on pense que c'est l'organe qui est le mieux placé pour faire une enquête sur le profilage politique qu'on croit présent et de plus en plus présent à Montréal depuis quelques années. Donc, merci. Alors, merci. On va maintenant passer à... Je vous inviterai à poser des questions. Bien, en fait, la première réponse qu'on va avoir, c'est une réponse sur la recevabilité de la plainte. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Je sais qu'il y a un nouveau président à la Commission des droits. Par la suite, ils vont nommer un enquêteur, donc qui va faire enquête, qui va rencontrer les plaignants, qui va rencontrer le SPVM, j'imagine, les dirigeants, et qui va rendre une décision. Ça peut prendre quelques mois, sinon années. Et c'est pas nous qui pouvons saisir le tribunal, mais c'est la commission à l'issue de son enquête va, si elle accepte ou elle reconnaît qu'il y a discrimination, va demander des mesures de redressement. Si celles-ci ne sont pas suivies par le SPVM, la Ville de Montréal, là, elle peut amener la chose devant le tribunal des droits. Donc là, ça relève plus de notre possibilité non plus. On tenait à faire la conférence aujourd'hui quand même à cause du début de la commission d'examen sur le printemps 2012, la commission Ménard. La Ligue des droits a décidé de ne pas participer à cette commission-là parce qu'on demandait véritablement une enquête publique indépendante avec un mandat qui regarde
les abus policiers et le profilage politique. Or, c'est pas tout ça que le gouvernement a mis sur pied. Il a mis sur pied une commission qui n'a pas de pouvoir de contrainte, qui peut siéger à huis clos. Donc, c'est pas des témoins, c'est des intervenants devant la commission. Et le mandat nous a extrêmement déçus. On parle des effets des perturbations sur la population, les commerçants, etc. Il n'est pas question dans la description du mandat de profilage politique ou d'abus policiers. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de pas y aller et on maintient notre décision. J'ai une question aussi. Est-ce que c'est la première plainte que la Ligue fait en lien avec le règlement Bien, en fait, comme vous le savez probablement, la Ligue a demandé l'abrogation du règlement P6 dans son ensemble, pas juste les amendements sur l'itinéraire et les masques, mais sur aussi l'infraction d'attroupement illégal. La Ligue des droits Section Québec avait porté une plainte suite à une manifestation, la manifestation féministe qui a eu lieu pendant le printemps étudiant, dans la ville de Québec, où alors une manifestation totalement pacifique, les femmes tournent un coin de rue, les 80 se font arrêter et se font donner des constats d'infraction en vertu du Code de sécurité routière. Alors la Ligue Section Québec a porté une plainte en profilage discriminatoire à la Commission des droits de la personne. La plainte a été jugée recevable. Alors, ça nous donne espoir que la nôtre le soit aussi, étant donné que c'est à peu près les mêmes bases, excepté là c'est P6. Plutôt que le code de sécurité routière, mais c'est le même principe d'arrestation préventive massive. Au-delà du 15 mars, est-ce qu'il y a d'autres recours qui sont en préparation ou c'est le... Bien, en tout cas, la Ligue est impliquée uniquement dans celle-là en termes de plaintes à la Commission des droits de la personne. On a vu il y a deux semaines à peu près qu'un premier recours collectif qui a été... accepté par la Cour supérieure. Donc, un recours collectif concernant les 500 personnes qui ont été arrêtées lors de la manifestation du 23 mai, la plus grosse manifestation nocturne en 2012, là, suite à l'adoption de la loi 12. Alors, il y a plusieurs recours collectifs comme ça qui sont en branle. Il y a plusieurs personnes qui contestent leur... constat d'infraction qu'elles ont reçu de façon individuelle. On a vu qu'il y a une jeune fille aussi, là, avec Julius Gray, qui réclame des dommages-intérêts pour le nombre, je ne me souviens plus, là, qu'elle a eu à peu près 7 000 $ de constat d'infraction. Là. J'exagère peut-être, mais... je dirais que oui, en fait, la Ligue, comme vous le savez, avec le comité légal de la classe et l'Association des juristes progressistes, on a fait un rapport sur les abus policiers, le profilage, etc., qui a eu lieu pendant le printemps étudiant, donc le rapport qui s'appelle « Répression, discrimination et grève étudiante ». Où on a analysé plusieurs témoignages, près de 300 témoignages de personnes qui avaient été ou victimes ou témoins d'abus policiers. Et qui, donc, on a à ce moment-là travaillé avec plusieurs personnes qui avaient été arrêtées. Et il y en a là-dedans qui ont été arrêtées aussi lors de la manif sur la brutalité policière. Donc, on était comme déjà en contact et ils nous ont demandé si la Ligue appuierait leur démarche. Et compte tenu de toute notre implication dans le dossier du profilage politique, on a décidé que... Je vous remercie. J'avais déjà des demandes d'entrevues individuelles de gens qui doivent quitter. Alors, on va commencer les entrevues individuelles. J'ai monsieur ici qui voulait faire une entrevue avec Lucie Lemonde. S'il y a d'autres demandes d'entrevues, vous pouvez venir me voir, puis on va les organiser. Alors, je vous remercie encore pour votre présence. J'ai aussi le rapport, s'il y en a qui veulent un exemplaire. J'étais allé au lancement, mais je ne l'ai pas eu. Alors, c'était le point de presse de la Ligue des droits civiques.
concernant les arrestations du 15 mars 2013 lors de la manifestation contre la brutalité policière sur les ondes de 99media.org. Restez à l'antenne dans pas tellement longtemps. Je vais me déplacer pour une manifestation qui va se dérouler au centre-ville de Montréal. Alors, je reviens en onde dans peu de temps. Merci. Ouais, ben,